bien le bonjour à tous. Donc vous avez pu voir les battles, le battle, tous les tests. Et bah, ce qu'on peut dire globalement, c'est que la Kunta qui est quand même bien cheaté, hein. La 911 GT, pour ceux qui l'ignoreraient, jusqu'à maintenant, c'était la meilleure street race dans la globalité. Même si récemment on a eu la Mitsubishi 3000 GT qui s'imposait pas mal comme étant une très bonne voiture. Sur beaucoup de courses, la 911 GT était encore meilleure que la 3000 GT Norules Edition. Donc là, vous avez vu globalement le battle des deux meilleurs street races du jeu. Et ce qu'on peut dire, bah, c'est que la Kunta est quand même bien au-dessus de la 911 GT, ça y a pas de doute. Donc pour la VMAX largement au-dessus avec Nitro uniquement pour la Kunta. Pour ce qui est de l'aspiration, là aussi, la Kunta est quand même pas mal au-dessus, ce qui compte pas trop mal à ce niveau. Ensuite, on a les drag race. Alors les drag race, celui sans nitro, eh bien, finalement, je pensais que ça aurait été beaucoup plus gagnant pour la Porsche 911 GT, mais pas tant que ça, finalement. C'est vrai que les deux n'ont pas non plus l'accélération du siècle sans nitro. Mais voilà, la Kunta, elle a vraiment du mal dès qu'elle passe les 300 sans nitro. C'est vraiment pas fou comme accélération. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pas fait le 0-350-0 sur l'aéroport de New York, parce que tout simplement c'était pas possible, mais voilà, finalement c'est assez serré, même si c'est gagnant pour la 911 GT en accès sans nitro pour le drag race, mais c'est de très peu, donc franchement ça va. Après, dès que vous passez sur une plage à haute vitesse à au-dessus de 300, la Kunta est quand même un petit peu larguée sans nitro. Par contre, bon bah avec nitro, là la fessée elle est quand même déjà là pour la 911 GT. 911 GT qui est déjà très bonne avec nitro, hein, grosse puissance nitro. Eh bien, la Kunta fait encore mieux, hein, elle lui met quand même une seconde, ce qui est pas mal sur une si courte distance. Et on voit vraiment que dès qu'on met la nitro, la Kunta ça part tellement fort, c'est incroyable. Pour le tour sur circuit, bah là aussi la Kunta est devant, rien d'étonnant, elle fait presque un chrono d'hypercar sur ce tout petit circuit. Donc bah là aussi, hein, dès qu'on met la nitro, ça elle s'envole la voiture, et puis vu qu'elle a une meilleure maniabilité que la 911 GT, bah forcément bah lui met une quenelle dans chaque partie du circuit. Pour ce qui est bah, du 0-350-0, eh bien, la Kunta est derrière de 2 secondes, je crois. Donc rien d'étonnant à ce niveau, vu que, comme je l'ai dit, elle a une accélération qui est pas folle dès qu'on n'a pas la nitro. Mais si vous gérez votre nitro, bah, c'est parfait, ça va aller tout seul. Puis elle garde bien la vitesse une fois que vous mettez la nitro, donc ça va tout seul. Donc voilà globalement un petit peu pour cette vidéo. Donc oui, la Kunta est bel et bien la nouvelle meilleure street race du jeu. Et de loin, sur toutes les circuits, sur tous les circuits en solo, globalement, c'est la meilleure street race. Il n'y a pas à chier. Et pour ce qui est du multijoueur, je sais pas si on est vraiment sur la meilleure des meilleures en multijoueur, parce qu'en multijoueur, la méta est un petit peu différente. Parce que, par exemple, la Gallardo est très bonne en solo avec le double nitro, mais en multijoueur, elle est un peu claquée, quoi. Donc, pour vous dire que la méta peut changer un peu, mais je pense qu'en solo, quoi qu'il arrive, parce que même sans double nitro, elle a une très bonne puissance nitro, eh bien, ce sera méta et ce sera dans les meilleurs. Peut-être derrière la 3000 GT Norules, parce que pour le multi, la Norules édition est vraiment forte, mais ce sera peut-être la deuxième meilleure pour le JCJ, mais pour ce qui est du reste, c'est la meilleure et de très loin. Donc voilà, une nouvelle méta, ça fait plaisir quand même. Bien qu'elle soit buggée pour ce qui est de l'off-road, hein, quand vous roulez en off-road avec la Kunta, qu'elle ne ralentit pas. Mais ça, c'est un bug et ce sera sûrement patché à la prochaine mise à jour. Mais ça ne devrait pas changer son comportement sur la route. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite Kunta, si c'est votre nouvelle voiture un petit peu préférée du moment ou non. Et du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche pour ne plus qu'une des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine, et ciao ciao, allez bye.